Salut les ghouls et les monsters, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Donc on va parler d'un sujet qu'on va aborder, donc c'est les Monster High. Mais pas n'importe quoi, j'imagine que plusieurs personnes savent déjà de quoi. Et ont déjà vu les photos, mais je vais quand même le faire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin, faut bien le faire. J'avais déjà fait une vidéo, mais elle durait 9 minutes, donc j'ai préféré la raccourcir. Donc là je vais essayer de ne pas perdre trop mon temps à parler. Alors on va vite passer au sujet. Donc comme vous le savez, Mattel a changé les visages de Monster High pour 2016. Je vous montre des photos maintenant. Somos monsters de verdad, imperfectas que nos da. Ir al instituto a veces es lo peor. Quedarnos en la sombra ya no es una opción. Y tú, di lo que quieras, no voy a escuchar. Cerrarás lo que me hace ser especial. Por fin llegó. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, les visages de Monster High ont changé. Alors, maintenant, ça ressemble plus du tout à Monster High, quoi. Il y en a qui vont trouver ça mignon. Ouais, aussi, moi aussi, j'aime bien, c'est très mignon. Mais seulement, c'est plus dans l'univers des princesses Disney que Monster High, là. C'est plus du tout Monster High. Et donc, je veux bien, mais même les artworks ne sont même pas faits. Donc, ils font même plus les artworks pour... certaines collections. Maintenant je comprends car enfin elles sont, c'est pas qu'elles sont moches, mais voilà, c'est le mot à dire. Et puis il y en a d'autres qui sont sans articulation, donc pour le moment c'est toutes celles sans articulation qu'il y a. Alors oui, elles s'articulent même pas aux coudes et aux mains. Alors personnellement j'avais 5 fausses Monster High, il m'en reste plus que une parce que les autres je les ai cassées parce que j'ai fait le con, mais bon c'est pas trop grave, je vais aller la chercher si je la retrouve. Oui bon, elle a plus de main parce que je les ai cassées, mais bon c'est pas grave, hein. Bon bah c'est pas grave, j'ai plus que sa tête, hein, que bah qu'elle est toute sale parce que et toute moche parce que bah elle date. Bref, bah déjà le visage, même les visages de la fausse Monster High, bah je trouve qu'il est super enfin qu'il fait plus beau que les nouveaux. Il est peut-être pas beau, mais il fait beaucoup plus beau que les nouveaux, voilà.
Je vais quand même vous montrer des photos des fausses Monster High pour vous montrer un peu. Ben voilà, pour vous montrer les articulations de celle-ci face aux nouvelles non articulées de Mattel qui coûtent 10-15 euros. Alors. Oui, les nouvelles. Enfin, les fausses Monster High coûtent dans les. 5 à 10 euros la Monster High, ou alors le pack de 3, je l'avais eu à 15 euros. Pourtant, elles étaient toutes les 3 articulées. Et Draculaura avait bah, de beaux cheveux, je trouve, même si c'était une fausse. Tandis que chez Mattel, c'est carrément une non articulée pour 15, 10 ou 15 euros. Donc, c'est vraiment exagéré. Alors, on n'a pas encore fini. Il y a aussi un manque d'accessoires chez Mattel en ce moment, car je trouve que les accessoires manquent. Voilà les autres nouvelles Monster High, donc toutes les autres rassemblées. Je les aime bien, donc je vais pas trop les critiquer. Juste Claudine qui est un peu banale, mais bon, c'est pas trop grave. Maintenant, je vais critiquer un peu les autres. Alors déjà, vous voyez qu'il y a un manque d'accessoires et aussi, manque d'accessoires. Voilà, il y en a presque plus. Déjà pour les Goulpettes, donc c'est comme ça que je les appelle car c'est plus facile. Laguna et Cléo. Donc Laguna n'a juste qu'à une tenue, Cléo aussi. Un petit accessoire, donc un bracelet et Cléo aussi, des chaussures et Cléo aussi, et un animal aussi. Donc tout ça, je calcule et ça me fait au moins 10 euros la dolle. Donc si vous la trouvez à plus de 10 euros, ça vaut pas du tout son prix. Alors, je dis pas ça pour critiquer Mattel. Je sais qu'ils ne verront pas ma vidéo, mais j'ai une astuce. Pourquoi ne pas faire une vidéo sauver Monster High? Et demander aux gens de faire aussi cette vidéo en la partageant et en créant une eux-mêmes aussi sur ce sujet-là. Il y a une pétition qui roule sur le net pour le changement des visages Monster High pour qu'ils arrêtent les nouveaux. Donc je le mets en description si vous voulez et vous pouvez participer. Vous n'avez qu'à signer. Et donc, si on fait tous une vidéo sur ça, en demandant à tous ces autres youtubeurs qu'on connaît, donc j'imagine que vous avez aussi des amis youtubeurs et d'autres trucs, alors vous le faites et comme ça, bah ça marche. Je sais que certains vont dire ouais ça va pas marcher, mais il faut quand même tout essayer. Car vous voulez que Mattel reste avec ce sujet-là? J'ai pas pris Claudine Basic 1 pour rien pour faire la vidéo. Regardez, ça c'est Claudine Basic 1, donc voilà. Magnifique visage, plein d'accessoires, de bonnes articulations qu'on voit pas à cause de son gilet, mais c'est pas grave. Donc voilà, je fais cette vidéo pour que je dise
sauver Monster High. Car là, ça va pas du tout, Mattel. Je suis désolé. Je ne veux pas que vous en arriviez à là sans accessoire avec un moche, visage. From the new DVD, Welcome to Monster High, come dance the fright away with Draculaura and all your favorite ghouls. At the photo booth, you can slide in your smartphone and use photo props to take funny photos together. Now let's dance on a moving light-up dance floor. You can even take the stage. What a fun party! At the Monster High, dance the fright away playset comes with Draculaura, other dolls sold separately. Donc vous pouvez commenter, liker, partagez, donc surtout partagez, ou non, faites une vidéo, c'est encore mieux. Ah oui, pour les rageurs, je n'accepte pas de commentaires débiles comme « Oh, c'est nul et tout ». J'aimerais bien un commentaire constructif parce que quand on est un rageur, j'imagine que c'est pas bien la vie, donc faut un peu l'améliorer. Donc je vous conseille de faire un avis un peu plus constructif. Merci bien. Et n'oubliez pas, « Be yourself, be unique ».